Il y en a pas tout de faire dire été en épeu peu. Il y en a être petit dîner mon fatré hel. Ari met mon ota traha pa non nan hei ne. Aita tatu I fare re. Na I te epe pe te fare re fahu ne tatu, I orana fahua. Te anine au I to tatu tia. Ia tai o mai mo mai tita, mo mai tita tatia o te tuhia mai mo I to tatu aro. Iorana, te iet mo poro mai tira tatia o teif a te hia mai. Na Clarence Vernodon, ia mare ura teina. Na Minar I Chantal Galno, ia Drule Jaki. Na Romat Aro Ferno, ia Mati Juliana. Na Olivier Maris, ia Tetuane Jennings Patricia. Na Tuahu Ismael, ia Tama Françoise. Na Mataoa Leoni, ia Mairoto Lilian. Na Utia Damas, ia Raputo Jean-Marius. Na Victor, mam ato Yahutapu, ya tane Teres Teruru. Na Hirshon Hunutea, ya Tremate Ruben, te itemei. Na Tuisho, we are Catherine, ya Cross Valentina. Na Tetuanu Ilana, ya Richton Monique. Na Floss Gaston, ya Fritz Edouard. Na René Temiharu, ya Riveta Frédéric. Et na Isal Hefora, ya Kohu Moetini René. Maruru mai te, te anine iau, ia oe ia tai o mai, ta tato opuar a tapura ohipa no tēnei mana. O ia, te iet opuar a tapura ohipa no te rurur a matamua, o tana taururu a ta e, no te mahana toru, piti ahuru māwa ono ti te ma, ma tei tipi tau tini ahuru e mahu e. Tumuparo matamua, hamanara ait opuar a tapura ohipa, tumuparo piti, hi opuar ait mauparo tua tapapa, te mau opuar a ture whenua nor tumu I te hau whenua. E te oi opuar a whawhaur a, e hi o mai tapura tapuria. Tumu parau toru, hi opuar ai te maurata I tai mai. Tumu parau maha, opanira ai te tau rurur a ta a e. E tumu parau pae, opanira ai te rurur a. Maruru mai te, te anine iau ia oe, te momero te whare apurar hei, whare I te ianei opuar a, te taatoar a, o whare maruru. Te hare ni tatoe ni e te tapura Numara hoe, te hanere pe ahuru e mahitu piti taukini ahuru e mahoe, e te anine iau, I te awhaewhae prau, ia tere te roro tāne vahine, ia tai o mai, I ta tato opuara. Maruru me te e pretini, ia rana pretini o te hawhenua, mono pretini, te mau whaatri hau, tato poro I amui mai te ni mahana api. Ia rana. Alors, la lettre numéro 7597 PR du 13 décembre 2011, le président de la Polynésie a transmis en fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi de pays portant modification du code des impôts. Dans le cadre des mesures de résorption de la dette sociale, la loi de pays numéro 2011-9 du 7 avril 2011, publiée au journal officiel de la Polynésie le 7 avril 2011, a institué deux mesures fiscales. La contribution de solidarité territoriale spécifique aux dirigeants de sociétés et autres personnes morales qui détiennent des parts ou actions au capital de ces dernières. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation et la vente en régime intérieur des médicaments destinés à l'usage de la médecine visée au chapitre 30 de la nomenclature du tarif des douanes de la Polynésie et donnant lieu à remboursement par la Caisse de prévoyance sociale. Toutefois, par arrêt numéro 349 039 du 5 décembre 2011, le Conseil d'État a annulé la loi du pays numéro 2011-9 du 7 avril 2011 en s'appuyant uniquement sur l'illégalité du dispositif relatif à la contribution de solidarité territoriale spécifique aux dirigeants de sociétés en considérant d'une part que cette mesure aurait été adoptée dans l'unique motif que celui d'augmenter les ressources budgétaires du territoire et, d'autre part, que la distinction retenue entre les contribuables dirigeants d'une société, selon qu'ils détiennent ou pas ou une plusieurs actions ou parts, ne revêt pas un caractère objectif et rationnel. Le Conseil d'État ne s'est cependant pas prononcé sur le dispositif concernant l'exonération de TVA sur les médicaments, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne s'impose pas à cette disposition. Pour autant, c'est l'ensemble de la loi de pays qui a été annulée. Or, une annulation contentieuse ayant un effet rétroactif,
Les dispositions relatives à l'exonération de TVA sur les médicaments sont censées n'avoir jamais existé. Cette situation emporte des conséquences importantes puisqu'elle remet en cause non seulement la politique d'exonération adoptée par notre Assemblée dans le domaine de la santé, mais également les situations juridiques qui se sont constituées à compter de l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération. Aussi, afin d'assurer une continuité dans le processus d'exonération voulu par l'Assemblée de la Polynésie, il convient de reprendre à l'identique, dans une nouvelle loi de pays de régularisation, les mesures fiscales d'exonération de la TVA sur les médicaments. Par ailleurs, afin de pérenniser les situations qui se sont constituées, qu'il semble difficile de remettre en cause, et celles qui vont naître jusqu'à l'entrée en vigueur du dispositif d'exonération, l'article LP2 prévoit le maintien du bénéfice du régime d'exonération des TVA pour les opérations qui ont été réalisées à compter du 1er mai 2011 et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du présent dispositif. Tel est donc l'objet du projet de loi de pays 6 juin que nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie au nom de la Commission des finances d'adopter. Maruru maitei te me roa porar hei. Iai te whanhor a te rurur a te mou preti tini pupu o whaatahi a ho e huru miniti nani e te mou pupu tatei tei. E te anine iau te tia o te taho e rahu iratira, whahi te mei tōna mano. Rene koho mui tini. Maruru maitei te preti tini te aporar hei. E iaurana o e te preti tini o te aporar hei no porini tia whraani. Iaurana te perititini no porine tia whrani. E iaurana e te mono perititini, e te mou whatrehau. Iaurana e te mou hoa mero aporar hei, to tato whararira ai te iepipu. E whātai atu ne wau te arofa no te iep ea mou oro, mouhana oroa, no te mea kia tātou wharare, e whātai atu au te te tei mana o no te ie matahiti api, mi te peo noa tuai tātou wharere i tramhana, te whātai atene o e te ie no te ie matahiti api, ia oa oa, ia rahiti fufa amoni, e ia mai tei tō tātou rara a i rato te ie matahiti atai mai. Le présent projet de loi ouvre la série de réparations qui vont servir de fil conducteur à cette session extraordinaire. Il est vrai que la réparation qui nous est demandée par cette modification du code des douanes n'est pas de la seule responsabilité du gouvernement, puisqu'il s'agit de rétablir une exonération de TVA sur les médicaments qui a été supprimée par le Conseil d'État, saisie d'un recours en annulation de la CST sur les dirigeants d'entreprise, instaurée par une loi de pays visant la résorption de la dette sociale. Les deux dispositions figurant dans le même texte, le Conseil d'État n'a pas pris la peine de faire le distinguo et a annulé l'ensemble de la loi, nous obligeant donc à légiférer de nouveau pour établir l'exonération de TVA sur les médicaments. Au passage, on ne manquera pas de noter que si nous avons dû légiférer en matière de résorption de la dette sociale, c'était là encore pour corriger une erreur faite par un précédent gouvernement Temaru avec la réforme inachevée de l'OTRA, dont les Polynésiens n'ont pas fini de payer les effets néfastes du trou engendré dans nos régimes sociaux. Ceci étant, le ministre des Finances nous a assuré en commission que l'annulation de la CST sur les dirigeants d'entreprise n'aurait qu'un effet marginal sur le montant des perceptions, la majeure partie de ces dirigeants étant soumis à la CST commune des salariés. Depuis cette commission, vous avez dû sans doute être en mesure d'établir un point précis sur le manque à gagner dû à l'annulation de la mesure et vous ne manquerez pas de nous apporter cette précision. Mais si ce manque à gagner reste marginal, c'est aussi la démonstration
finalement de l'inutilité de la mesure que vous aviez fait adopter par l'Assemblée en avril dernier. Sauf, bien sûr, s'il s'agit pour vous d'entretenir des symboles visant à faire croire que les patrons ne contribuent pas suffisamment. En ce sens, il apparaît tout aussi inutile de vous précipiter pour préparer un nouveau texte pour taxer ces dirigeants d'entreprise, comme vous semblez vous y préparer en insistant pour rajouter toujours un peu plus au millefeuille fiscal. Voilà, Monsieur le Président, les brefs commentaires que je souhaitais faire sur ce projet de loi qui, au fond, est une bonne nouvelle, puisqu'il aura pour conséquence de ne pas renchérir le coût des médicaments. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame la ministre absente et Messieurs les ministres présents, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, à tous ceux qui sont présents, Yorana, et mes meilleurs voeux pour ces fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé de bons moments en famille. Je dirais tout simplement que si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas du fait du Conseil d'État, c'est qu'à l'époque, Monsieur le ministre, rappelez-vous, nous avions mis en garde sur la méthode qui consiste à faire passer des mesures fiscales en bloc, de façon patchwork, dans un même texte, et notamment une mesure fiscale nouvelle, celle concernant les dirigeants d'entreprise. Donc, je ne suis pas étonnée de me retrouver aujourd'hui devant vous pour revoter finalement la même chose. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais dire que pour ma part, il ne s'agit pas là de la conséquence d'une décision du Conseil d'État, il s'agit là de la conséquence de la précipitation du gouvernement et je dirais même de l'incompétence du gouvernement à proposer une mesure fiscale qui tienne la route. Donc, la prochaine fois, Monsieur le ministre, prenez le temps, consultez et verrouillez juridiquement les propositions que vous nous faites au plan fiscal. Je vous remercie de votre attention. O te tuhia mai mo i tatou e te whaterera o te whenua.
te wirata wi fatai moi te fatreheu i te poe i tru a te tomite. Tine i e te prono te i e moni e ore topo mai urdui ta tato a fata. Nar toi te i e whaotira a mirto mai tiripuna te tei. Te veinei a te tei tu a e rehi a tato i te iamateiti. Tini ai e trawhaito me te mea i te mohe au, e trawhaito piti hanere mirioni. No te ria, nā tātou i e whaito i tō i te rauhai, te imira ai te morawe anō te mono a i te i e moni i te rā i e hi o tātou rato i kitātou ara o tōwhu ai whāna o hia. E te whenua, ai tō e mana o nei i riro tā e hawhiwhir ai tā tātou tāpuro tōwhu a, no te imo teite vei ne mori tātou. Tai e te teimana o tā awhina aro e tūtui mo i tātou, nani ai te oa o te pupu. Au e pereteni nei, nene he tātou e tōta papau, tōtio hōhunur a, nārtoi te mō irawa, e tōta papahi āroa. Maruru mai te. Maruru mai te, te mero apurārhe, te anine eau te tia o te mono tumu mutu, Eleanor Parker, tia oe. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, ainsi que les ministres, collaborateurs, journalistes, chers collègues, bonjour. Avant de vous lire mon intervention, j'aimerais aussi associer le groupe Temana au Temomoto au vœu 2012. Alors, le Conseil d'État nous a le 5 décembre rappelé qu'il est possible de mettre en place des mesures de différenciation à condition que les critères de cette différenciation aient un caractère objectif et rationnel. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas la première fois que nous sommes rappelés à l'ordre de la sorte pour le même motif. Notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez de justification aux mesures que nous votons. Ce problème n'est pas nouveau. Cela fait même longtemps que les élus se plaignent, notamment en commission, de ne pas toujours disposer de suffisamment d'informations et d'explications pour voter. Ça passe quand on ne porte pas atteinte à un principe fondamental. Mais ça casse quand on touche à l'un de ces principes. C'est ce qui s'est passé avec la loi qui a été attaquée et finalement annulée. Le Conseil d'État n'interdit pas d'introduire des dérogations, mais il veut qu'on lui apporte les justifications qui expliquent pourquoi il est judicieux, par exemple, de traiter une partie de la population différemment d'une autre. Or, il n'a pas trouvé dans le dossier qui lui a été transmis une autre raison que celle d'augmenter les ressources budgétaires du pays. Évidemment, ce n'est pas suffisant car il faut justifier pourquoi les uns peuvent contribuer un peu plus que les autres en apportant, par exemple, la preuve que les uns gagnent structurellement plus que les autres. Il n'en a rien été et donc la loi du pays a été annulée. C'est la raison qui nous conduit à étudier ce texte. En effet, en annulant la totalité de la loi, le Conseil a dû, du même coup, annuler un certain nombre de dispositions qui étaient, elles, légales et nécessaires concernant les taxes applicables aux médicaments. Évidemment, nous allons voter en faveur de cette nouvelle loi du pays qui préserve ce qu'il est nécessaire de conserver au sein de la loi annulée. Toutefois, cette situation suscite chez moi deux remarques à caractère général. Premièrement, si l'on n'arrive pas à justifier, c'est que l'on a aussi certainement du mal, faute d'outils statistiques, à mesurer ou évaluer les situations. Nous devons donc développer nos outils statistiques. On ne peut plus continuer de piloter le pays à vue sans indicateurs précis d'évaluation des réalités vécues par notre population. Deuxièmement, si l'on n'arrive pas à justifier, c'est peut-être aussi que l'on n'a pas pris de recul suffisant au moment de la rédaction des textes attaqués. Le président du tribunal administratif de Papeete, à l'occasion d'une interview, disait avant son départ que notre administration disposait de juristes, mais pas assez de légistes, c'est-à-dire de spécialistes dans la rédaction des lois. Voilà, il me semble, même si ça ne résume pas tous les problèmes, deux voies qui nous permettraient de mieux verrouiller la sécurité juridique de nos règlements, ainsi d'économiser du temps. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Maruru mai te eitu meroa por arhe, te anine eo te tia no te tapura amui, hiro te wharere. Te anime ero te ahirson, wha ahoro ia urua. Ia oero. Maruru e pariteni. Pariteni o maohinui.
Maïti, on est à Vefuare. Pour toi, il y a ta sondra, il y a un maïti. 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 Il y a un maïti
Article 1er, le Code des impôts est modifié ainsi qu'il suit. Premièrement, l'article LP 340-9 est complété d'un paragraphe rédigé ainsi qu'il suit. Deuxièmement, bis, les opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les médicaments dont la prescription ouvre droit à remboursement par la Caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie. Deuxièmement, du paragraphe 1 de l'article LP 342-3, après les mots médicaments ou produits pharmaceutiques, il est inséré les mots autres que ceux prévus au deuxièmement bis de l'article LP 340-9 et du treizièmement de l'article LP 348-8. Troisièmement, l'article LP 348-8 est complété d'un paragraphe rédigé ainsi qu'il suit. Troisièmement, de médicaments dont la prescription ouvre droit à la date d'enregistrement de la déclaration aux douanes d'importation à remboursement par la Caisse de prévoyance sociale en application des réglementations sociales et de santé en vigueur en Polynésie. Maruru mai te ei, te tau aporu ni tatu e ni te gene irawa matamu. Aore mana o, te ma iti ratatu, whea whari a whea tirimenia. Aruru, te tato ara, ua mana, irawa numera piti. Les opérations énumérées à l'article LP1 sont réalisées à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi du pays bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Maruru mai te ei, te tau aporu ni tatu, Aore mana o, te maitira tatou, koe a maitira a, ua mana. Irewa numero tu. La présente loi du pays s'applique à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie de son acte de promulgation. Maruru maitei, te tau o promeni tatou, e te ene irewa numero turu. Irewa numero turu. Aitan e tapu. Tia oera, Eduard Fitch. Irewa numero turu. Jerana bagi perit ini. Tapi orang heno puri niti afran ini. Yang mesti itu tato farid aite mana. Orang ya tu dah iai muri aite noe dah huru mesti aite imai oe. Terano hua huru dah itu orang. Aiyah. Perit ini otau fenua no puri niti afran ini jerana. Tano atu itu mau berapa atarihau. Apa apa iya. Tato beramero. Article
Aita presidente, ni hoi tra ire va numero tor uno te mea te paru hia mai rae e na te whenua e wha uhipai te ie irawa, ere te ie tūre ta tātou. Rono no au e wha titi e wharori i tara uira ta te peretiteni i tona whaatere heu, no te me hararo me onei unei ani i tona whaatere heu e no te aha. I te whaatere heu i paono, na au i e paono. Mono au, te hapera te peretiteni o te au whenua, Yani ona eha te hupa o te rewa hia mai e mātou no te mea te hi o meru ona i e mātou. Te hi o rewa iana e tenitu a rewa iana eha pa e ta auto hupa i rewa mai mi te matahiti piti tau tini e maha. A hitu matahiti i te ienei, a teira tātou i te e, te weine e rutu e tu tātou whenua, a huru milioni ta rātou i tope awa. E te mēre rewa i tera, tera uira no te mea te tia tūri nei au e, Iau i te mō numara e tēmei nei rutu i te mō puohi pā te heu. Nā rotu ane i te mō teiete e haapā pūmaira i te heu whenua i tā rātou mō api. Ena tātou te ite e te reheira a o te mō taata e tiria tā rātou whaito ai tu e mana ore en he e huna te ho e moni awa emi teiete huru. Te mea pāpū mai te irā, te haumatara tātou i te iamhana i te hio. Ia rātou, no te mea te niho tātou i te ea o te topatari. Tā tātou e hine aro nei, e imi te mōrāwe e atoa e whao mai te moni roto i te awhata. Tā utuia e rūra i te iamhana, e tā utuia hine aro ra e haa titi tera mō tātou. Me te tia turi nei au e terheira a o te moni e o maine tui ta tātou a whatano naroto mai te CST. Nā oe hua e parou mai, ua terheira a u oti, ua o mai. Tara e tōera e tei whaore hia e te teripuna tei tei a te hau, hei e moni, piti ahuru mā pae milioni anei, i mua i tara hitu wa o miria o tei uhihi anei e tātou. I te mō awa e ato. Mēre rau tara huru wanira a tā te peretiteni i tōna whātere heu. Mērir hei tō. Te mea pāpū mai tei, e arau a whahaua e tau aprau aho tātou e njuhi tera tūnu parau. Tā o tō e nane nei te iemhana, maurirai, imira a i te rāwe e iho o mai te moni roto i te awhata, no te mea te whiwhi nei, te awhata o tō tātou nei whenua. Te uira a pāpū e tano iewi hiatu, i hana o tō i te whauwha a te nuna a. E topatari e tātou mi teie tūru i teie māna. Tāna, e uira a pāpūtara, teia teie mūni rei tā tātou. E te whaohupane i tātou i teie māna i te rāwea, no te tāmata i te whaherhere i te rāmoni, tāmata i te pāruru, iha tā tātou fōwha, ia tā, mi trai tāra i teie māna. Iri anō, ai tua ue e mana ora e metano e whaahapa i te tei e te tei, e hi o mai huara e mātou. Nōrira, Maroro. Ngoi te i rewa numara tōru, presidente. Maroro mai tei. Ia parau na ahia pa e te arofa i arahei. Ai tua ue ta arahi, ai tua i te ki tū atira e te e tūre tātātou e maitini i te i mahana. Mi tā te presidente e paraura. No te mea, ai tua mana o e... Ia parau na ahia te parau no te arofa, no niho o nei te tute, ere? Tau i te arofa e whātupu o nei te whāoro mai, te whātura. E ita te arofa e whātupu i te whēii. Aorera i trewa inora ai te tei e te tei. Whā inora ai te tei e te tei. E mēre ne eu, no te mea... Mi te piu tēmei mātou i te imahana, i te mātou i haramai no te whāro i tera mō pēpēhā pōra aore. Marura, maruru. Nāmeni mātou no te whāro i te mō parau i iau ki taria. I rutu i tō e āre aru tupu i te nōere te matahi di api. Ia, iau te haramai whāhiti wāhi te parau e. Nārira, maruru. 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 Wauru hia tātou i te varua mai te ite pēpē. Nōrira, ea o tō te whāoro mai. Jean Christophe Bissou, tia oera.
Maruru maita e treteni. Aita e tu e hare e tu itra. Tra ta 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 in ia et prono te fatere ra oto ta to fenu. Uite ta to e hak tumu. I amohia e te i tute se este a to motegi tene. Ta ta to e ti tau nei te imhana ia ta ta i re. Ianen he ki ta to ara e tumu irtu i te fan hora. Io re te teipa o tumu ona teie te hora, e ore e titohia e ia horoa to hoara tu i tara tu tua, no te tauturu a i tumu a whaia atu o te whiwhi nei, e ore to hoara i te tau tatatu e ronei. Hei ta te wira ata awhina aroe ui te whatareheu, na moa tatu e mai ti hopero ai i te ie te ie tapura hipo, te ie ture. Te nia ia i paro no te moni e rehi e tatu, e te ie mo te ji muri nei, o tamea arotoro tatu i arawa era, no te ie noa tu a teime, no te ie matahiti, ti nia ona i whaito piti hanare milioni, piti hanare piti ahuru milioni. I arwe mai tātou i nia te matahiti mei te umuar a i te, te nuare tēru atu i te, te tema, ti nia i ona whaito e ono hanare pa ahuru milioni, te uira te ie. Nā whea o tō e mono i te ie tu a moni, o te ore e tomo i rutu i tātou awhata, te pite o te uira, te vei anei rutu i oto, te tei opua rā, no te tata i rā, i te i whaoti rā, me rutu mai, te tiripuna, Conseil d'État. Rōna awa ue, mea tano ia ui awharu tātou i te iwi rā, i te i te me, na moa tātou e mai tia. Maruru, te ita aor i tātou i te i tu muprau, nene rai pahono, nene pahono, no te woru tohe o i tvarua mai i te i pepe. Sabrina Burke. Yarana prititini, yarana tutato prititini, te mau whateri hau, te mau meri, meru, papewea, yarana. Non, juste une petite remarque sur ce rapport qui porte notamment sur l'exonération de la TVA sur les médicaments. C'est notamment sur la qualification de médicaments. Nous savons que beaucoup de nos plantes de chez nous ont des vertus médicinales. Et donc, c'est sur comment ils obtiennent le critère de médicaments pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Pourquoi j'en parle? C'est parce que je souhaite qu'un jour, nous puissions reconnaître que le cannabis a des vertus médicinales et qu'il puisse rentrer dans cette catégorie et être délivré dans des pharmacies comme ça se fait dans d'autres pays dans le monde. De ce fait, il sera exonéré de TVA. Et mon inquiétude que je vais poser au ministre, c'est sur, je ne souhaite pas voir l'importation de cannabis d'autres pays pour venir fournir nos pharmacies. Alors, comment protéger ce marché médicinal contre l'importation? Parce qu'on le sait ailleurs, c'est un gros marché. Et si un jour nous allons dans cette voie, que je souhaite, parce que quand on fait des recherches dans ce domaine, on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de vertus thérapeutiques. Je sais, ça fait sourire, mais bon, on est entre Noël et Jour de l'An, et c'est vrai que c'est bien d'en parler, de rigoler aussi de temps en temps, de ne pas être si sérieux, mais c'est sérieux aussi, parce que si on le fait entrer dans le cadre de médicaments, il ne pourra pas être taxé par la TVA. C'est un médicament. Maintenant, comment faire pour ne pas se faire envahir par le marché extérieur? Voilà. C'est pareil pour le nouni, qui est également un médicament. Nous avons plein de plantes ici chez nous et il faut d'abord favoriser nos produits à nous. Maruru. Maruru maite. Fatere rahau. Fatere rahau tia otora pora hop. E o tima iti tu e mato. Oui, merci, monsieur le président. À la question posée par Jean-Christophe Buissou, effectivement, sur l'estimation annuelle, on arrive ça. Mais attention, dans ce chiffre figurent également les dirigeants qui ont la qualité de salarié.
ce que je disais tout à l'heure. Donc on a bien 25 millions pour les dirigeants n'ayant pas la qualité de salarié, ce qui fait en termes annuels 50 millions de pertes. Comme quoi c'est ce que j'avais dit, donc assez limité. Pour ce qui concerne les médicaments, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des médicaments, l'application de la TVA à compter du 1er mai, du texte qui a été invalidé, ferait rentrer 120 millions. Mais vous savez, avec les conséquences sur la fixation du coefficient du prix de vente. Je vous rappelle que l'estimation qui était faite en termes annuels d'un taux de TVA taux zéro, ça permettait de dégager 220 millions au titre, je dirais, de notre fiscalité et surtout des conséquences sur la CPS. C'est ça. Donc le texte qui vous est proposé permet de rectifier le tir, de remettre le taux zéro en vigueur, la date du 1er mai, d'autant que le texte des douanes, lui, le permet déjà de traiter la question de la manière suivante, mais il fallait donc au niveau des contributions. En revanche, la position la plus intéressante, c'est bien celle du représentant du Tawera, qui continue à affirmer ici qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas toucher aux dirigeants de société, combien même ils n'acquittent pas un franc de CST. Ce n'est pas parce que le pays a des difficultés financières. Est-ce qu'on peut laisser en l'état cette situation? Et lorsque je dis, oui, on a eu des chiffres de manière plus précise, mais cette situation était connue de tous les politiques et de la fiscalité des impôts du pays. Il ne faut pas laisser croire qu'on a découvert ça. Il suffisait de prendre le texte fiscal pour comprendre qu'un dirigeant de société qui n'avait pas le statut de salarié n'a quitté aucune CST. Et j'entends ce matin dire encore, c'est parce qu'on est en difficulté financière qu'on va essayer de les pressuriser. Pas du tout. Il s'agit de rétablir une équité fiscale. Je suis même convaincu que ces personnes seraient tout à fait favorables à quitter leur lieu. Pourquoi voulez-vous qu'elles se cachent? Je serais tout à fait d'accord à la condition que le cadre légal soit bien établi. Si effectivement la dernière fois, cette tentative a été remise en cause par le Conseil d'État, ne serait-ce pour informer mon ami René, je reprendrai le dossier, car on ne peut pas laisser passer cette situation au moment où les gens sont dans les plus grandes difficultés et avoir une catégorie de personnes disposant de hauts revenus échapper à cette contribution. C'est aussi le projet de réforme de la fiscalité, l'imposition des revenus. On ne peut pas laisser passer ça. À la précision que je souhaitais apporter là-dessus. Maruru maitei fatrehau, ini eitei erva numara toru ho ea maitira, ite mea ture whenua, e maiti tata eit hei tatu, e pihi ato tatu i oa, e o tei pahono atu eit tatu. Api mai. E ma algon vahine. Alfa ter i alfa tane, mairi. Sabrina Berg vahine. Sabrina Berg vahine. Tamara Bob Dupont Vahine Mairi, Prautatia Na Hirschon Vahine. Jean-Christophe Bissoutane. Cousine Brodien Mairi. Daphné Chavez Vahine Mairi. Valentina Cross Vahine. Jacques Droletane. Gaston Flostane Mairi, Prautatia Na Fritsch. Joël Frebo Vahine. Edouard Fristane. Anna Igal, non. Maïri, Protati, Anna Jacques Droulé. Rondel Santane. Richon Nouteo Hine. Eur Eriti Vahine. Ifara Izal Vahine, Maïri, Protati, Anna Kohumuetini René. Patricia Tetuanu Jennings. Benoît Coutetane, René Comouhetinitane, René Kohumouetinitane, Marcelin Lisantane Maïri, Victor Amatoua Yahutapou Maïri, Protati Anatane Thérèse, Sandra Manutelevi Agami Vahine, Emma Mareya Vahine, Aïtia, Tatouille, Maïmaraya Emma. Ah bon? Ah, le ministre. Ah.
Mariterangi, Mairoto, Lilian Haine. Manutai Leviagami Haine. Ya. Emma Maraya Haine. Mairi. Eina Mare Uratane. Yoni Mataua Haine. Mairi, Protatia Nama Iroto Lilian. Mairon Mataua Tane. Liana Matiu Haine. Armel Mercelon Haine. Marise Olivier Haine Mairi, Protatia Natetuani Jennings. Annick Opa Afo Haine. Eleanor Parker Haine. Ekinui Porlie Tane Mairi. Maris Rapoto Tane. Ishton Monique Haine. Frédéric Rivetta Tane. Fernand Romata Aroa Tane Mairi, Protatia Namati Juliana. Maina Sage Haine. Philippe Chiltane, Maïli. Tama Françoise, Vaine. Terrotane, Thérèse, Vaine. Roberto Sotane, Maïli. Achong Chunyu Tunghi, Tane, Maïli. Rupitif Areretane. René Temherotane, Maïli. Rotatiana Riveta. Riveta Frédéric, Natemeharu. Ruben Termatetane, Itate Ripaya Tane, Mairi, Sylvianter Oatea, Vahine, Mairi, Lana Tetuanu Vahine, Lana Tetuanu Vahine, Justine Teura Vahine, Gaston Thompson Tane, Mairi, Ismaël Tuahu Tane, Mairi, Tatia Natama Françoise, Catherine Tuihu Bouillard Vahine, Namas Utia Tane, Mairi, Protatia Nar Apoto Jean-Marus, Utia Namas. Béatrice Vernodon, Vahine. Clarès Vernodon, Tane, Mairi, Protatia Namar Urateina. Haoru matoru reo i maiti no te whaari i te ene ture whenua, aore reo i patoi, aore reo i whaeamu ure noa, ua mana te ene ture whenua i te ene mahana. Maruru mai te. E ani nei au, i te awhaewhae prau, te piti o te tumu prau, o te rea te roro tane, no te ene tapura hanere pae haru e mahu au, piti tau ki te haru e maho e, ti au e. Marumet Ebretini, à l'opalettre numéro 7660 PR du 15 décembre 2011, le président de la Polynésie a transmis au fait d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi du pays portant modification de la loi du pays numéro 2008-7 du 25 août 2008, modifiée, relative aux droits de douane de la loi du pays et de la loi du pays numéro 2008-8 du 25 août 2008, modifiée, relative à la nomenclature combinée, communément appelée nomenclature du tarif des douanes. La loi de pays numéro 2011-32 du 9 décembre 2011 a actualisé le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises conformément à la recommandation du 26 juin 2009 du Conseil de coopération douanière. L'article P premier de la loi de pays numéro 2011-33 du 9 décembre 2011 a modifié les dispositions relatives aux droits de douane en instaurant un taux réduit applicable aux produits originaires de l'Union européenne et en diminuant le taux de droit commun applicable à l'importation de produits originaires d'autres pays. La vérification par des moyens informatiques des deux annexes aux lois de pays numéro 2011-32 du 9 décembre 2011, actualisant le SH du 1er janvier 2012 et numéro 2011-33 du 9 décembre 2011, relatif notamment aux droits de douane applicables, a permis de relever un certain nombre d'erreurs matérielles concernant soit l'intégration de certains amendements issus du SH 2012,
soit la transcription manuelle dans la loi de pays numéro 2011-33 précitée des taux proposés par le gouvernement. Plusieurs catégories d'anomalies ont été relevées. 1. 3 impositions tarifaires ajoutées à la nomenclature SH n'ont pas été reportées. 2. Une position tarifaire supprimée a été maintenue. 3. Plusieurs taux réduits ont été retranscrits au même niveau que celui de l'unique droit de douane applicable avant la révision opérée par la loi de pays numéro 2011-33. 4. Certains taux réduits retranscrits de manière erronée étaient supérieurs au taux de droit commun. 5. Plusieurs taux de droit commun n'avaient pas été abaissés conformément aux instructions données par le gouvernement. 6. Deux positions tarifaires n'étaient pas dotées d'un taux de droit commun. 7. Certains noms de chapitres et ou de sections ont été tronqués lors de leur édition papier. Considérons que les anomalies relevées sont contraires à la volonté du gouvernement, voire même non conformes aux dispositions de la décision d'association Outre-mer du Conseil du 27 novembre 2001, en ce qu'elles introduisent des taux réduits applicables aux produits originaires de l'Union européenne à un niveau supérieur à ceux applicables aux produits originaires d'autres pays. Leur rectification s'impose. La présente loi du pays présente les rectifications à apporter au contenu des annexes concernées. Tel est donc l'objet du projet de loi de pays 6 juin que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des finances, d'adopter. Maruru mai te, hautato harieni e te mou manaoto mou pupu, te whaatiti e wharonei au i te maiti rāno te ture whenua i mua, e re mahauru e matoru, mahauru e mamaha. Wanaori iau e aito Sandra Levi Agami, uhapapu mai te maiti tu arahoia, e mahauru e mamaha reo i whari. Inei te ienei tapura hupa tatatu, e ahuru mini te i te pupu tatei te, te aninei au i te pupu i aura te whenua, whaiti mai tōna manao. Aita tō te manao i aura te whenua. E manao anei tō i aura te whenua, maururu, te aninei ai te puputaho e rahu i ratira. Wahi te mei tōna manao, lana te tuanu. Piritini maruru mai te e iorana, piritini te o whenua mō whātare heo, tātou pāto i te pepe api iorana mai te. Alors, Monsieur le ministre, à vouloir aller trop vite, vous trouvez des recettes afin d'équilibrer votre budget 2012. Le gouvernement a promis ses fourvoyés. Le texte initial a été élaboré en un peu plus de 2 mois, alors qu'il aurait fallu au moins 6 mois, selon le directeur des douanes, pour balayer les milliers de positions douanières à rectifier. Loin de nous l'idée de remettre en cause le travail des douaniers, même si l'on constate qu'il n'a pas été parfait. Mais ces erreurs viennent de la pression mise par le gouvernement pour trouver en urgence 2 milliards à inscrire dans la partie recette de son budget. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Un semblant d'équilibre budgétaire avec l'instauration de nouvelles taxes et certains n'ont pas l'idée de s'ouvrir à d'autres marchés comme a voulu le faire croire le gouvernement. Puisque vous nous en offrez l'occasion, nous réaffirmons que cette nouvelle taxe sur les produits européens est une hérésie dans la situation économique actuelle, car elle va peser sur le budget des ménages et sur les entreprises. Vous savez fort bien d'ailleurs qu'il s'agit d'une hérésie, puisque dans votre rapport de présentation du document budgétaire, vous avez mis à plusieurs reprises l'accent sur les effets négatifs de la pression fiscale et de l'inflation sur le budget des ménages et sur le recul des dépenses de consommation. Vous le savez, mais vous faites exactement le contraire de ce qui devrait être fait. Vous augmentez la pression fiscale, vous augmentez les droits de douane qui vont générer une augmentation des prix, de l'inflation et au final, une perte du pouvoir d'achat et sans doute des pertes d'emploi. Dans votre budget strictement comptable, vous n'avez cherché qu'à maintenir un semblant d'équilibre. Comme le plan de redressement n'est pas mis en œuvre et qu'aucune économie de fonctionnement n'est réellement engagée, il faut trouver des ressources supplémentaires pour financer le fonctionnement. Les impôts ne rentrent plus, les prévisions de rentrée de TVA sont en baisse. Au total, on table sur plus de 7 milliards de moins-value sur les rentrées fiscales. La solution miracle, c'est de tendre les ménages, d'où l'instauration des droits de douane sur les marchandises européennes qui vont avoir des conséquences dramatiques sur le budget des ménages.
Le gouvernement avance le chiffre de 2 milliards. Nous pensons qu'il sera supérieur. D'autant qu'à ce chiffre, il va falloir ajouter toutes les taxes qu'il vient de se calculer sur le prix majoré des droits de douane. Bel effet inflationniste dont les ménages commenceront à subir les effets dès le 1er janvier, car là aussi, il y a urgence. Enfin, urgence pour vous, car pour ce qui est de la Polynésie, l'urgence est bien ailleurs. Elle est dans la sortie du marasme dans lequel vous nous avez plongé depuis le TOI, qui n'a amené que la ruine du pays. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Pour conclure, tout comme nous avons voté contre la modification du code des douanes au début de ce mois, nous voterons contre cette nouvelle modification, car malgré la répartition des erreurs commises, ce texte reste en soi une erreur économique. Voilà, Monsieur le Président. Maruru Maitei, Jean-Christophe Guissou. Maruru Maitei, pretenite parita e nenhe matoe horo atu honga te tei manao in eiti e tu prau. Ho ea, te ie tapuru hipo ua tuatama pahe urte I tatatou tomite o te iruru. Ua uihia te mauira atua. Apu mai te matou e hapa matou ki parono o tuma itira e whaia muhuno matou. E nia I te e tumu prau. E hea ki tumu no te mea o pato I matou I tra o pora no te whamarara I te tute. E nia I te mou a te hi ata tatou e proi mei Europa. E te e tatou e hiti mauta no te hea te pupu I arat whenua. E whaia muhuno ai nia I te e tumu prau. Te piti rā, Tēnia I te tumu meia I tātou I te imahana no te maaiti whahau, e no te tata I te I ture o te maaiti hei tātou te I mohopatomua Mariane. Mua horo mai te rātira no te pū o te hapone I te parau no te pū no te duan, I te moha marmamara a, I ni e I te mau hei o te hape I rutu I tātou. Tāna I e paromai mātou, orto I te rūra a te tomite, E ue ua poto te teime rutu I rātou no te hamanira I te iopara ture no te papai I ki tātou ar a, o te mou apapara a numera o te titohi I rātou. Trai e te tumur hei e titohi I tātou I te emhana e maiti o hau, nā oto hoa I e maiti e pār hei rutu I otou e I te mato e man oe e whiwhi otou I te tumupara. Maruru mai te. Maruru mai te Jean-Christophe Buissou, I te mea I te tiaho ahau tō tātou ai a. Ai te rātou e nēnhe e paroparau, nani nei au I te mana o te momutu, aore mana o, torotu I te mana o te momutu, te whai ai te tā rātou e pupu, ai te tātau ahau, te tāpura amui, aore mana o. Whātere hau, kia au e rātou pahonora. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a rappelé le rapporteur, il s'agit de corriger les erreurs lors de la saisie. Donc le texte, son ensemble avait déjà été débattu ici même, comme l'a rappelé M. Buissou, il n'avait pas soutenu. Bon, je comprends tout à fait qu'on ait une logique jusqu'au terme, mais bien entendu, la majorité doit soutenir ce projet car cela permet de rectifier les erreurs qui ont été décidées. Article 1er LP1. L'annexe visée à l'article LP2 de la loi de pays numéro 2008-8 du 25 août 2008 modifiée est modifiée comme suit. Premièrement, après la ligne 0304.9, autre congelé, il est inséré les deux lignes suivantes ainsi rédigées. 0304.91, espadon, 0304.91.00. 0304.92, légine, 0304.92.00. Deuxièmement, après la ligne 0304.95, il est inséré la ligne suivante ainsi rédigée. 0304.99, autre, 0304.99.00. Le code du SH 0803.20 est remplacé par le code SH 0803.90 et la codification 0803.20.00 est remplacée par la codification 0803.090.00.
Quatrièmement, la ligne 1605.90.00, autre, est supprimée. Cinquièmement, les notes relatives au chapitre 2, 11, 20, 27, ainsi que celles concernant la section 4 des chapitres 28, 29, 30, 34, 38, la section 6, excusez-moi, les chapitres 28, 29, 30, 34, 38, la section 7, les chapitres 39, 40, la section 9, le chapitre 44, la section 11, les chapitres 59, 61, 62, la section 12, le chapitre 64, la section 14, le chapitre 71, la section 15, les chapitres 72, 76, 79, la section 16, les chapitres 84, 85, la section 17, le chapitre 86, la section 18 et les chapitres 90 et 95 sont remplacés par les nouvelles notes de chapitre et ou notes de section jointes en annexe. Maruru maite e te awhaiwhai prau. Ia tei o e ta tato mo irawa, tei o e te tato ara. Noa tua e u a ratino, tei o tō mai, aunei te e nei pō o te momuto e uti a whaahawa ia tato. Xifias gladius e distoticus espe. Re? Ano oto oto, hiro te whare. E maruru preteni. Te ui a fōwhae ki tauhi a tātou e ui. E hāpai te hupai nien he tupu ananhai, mei te pau te euta ērā i rotopu i te mautia aratai te e whare o te mamutau ki e otia, e tātou e ore tupu a. Ai te au ta ar ai au hoa a papuru tui rātou e tātou. Warawai ane tātou, mō whea arawhi i rutu i tā tātou mō pūrawe rā, no te hi o rā te mō hape o te tupu ananai. Mai fōwhu aro, e hā te whanho rā e nene hā papu i awe, te mea tā tātou e maiti nei ki e mhana, iau te mou api i muri, ua tano hoa. E tā nei rātou anan hei, ai tui te ahoea. E hae te tumu e parau e oi ki rā parau, no te mea. Te mou mat hei ti ato, muri mai te mou maeti rā, tā mau ar a fōwha, e te whātiti e wharu rā, e te mou api parau, mi te e churu, e tupu hoa tara hoa anho rā. E tupu hoa. E harna mei te mauti a aratai o te e mōpū, i roto i te mōtou mi te roto. E tatara me hoa rātou, te tumu matamua, te prauia o te whiwhi i roto i te tatara wa ehupa e te matini rorowira. Te piti, te poto o te teime. Te toru e me whaheheia no te mea noria wau e ui e kera uira, a te rau whāro e nā tia no te iepū tātātou o aine te wahau, kia pāpū rā mai e te arawahi ore rā e vei nei rutui rātou. O parau rātou i kia rā parau. Enei anō te poto o te teime, ki tauhi a rā tātou e whiruri, iā no te iemahana, no ananhei, iā tātou e taupupuno. Te ui rā mata mōia, te te aturi nei au e horo o mei pā. Pene e tō tātou pretini no te mea. I amona oi e kia rāti ar ai o, e mūtau ti e o tia. Ui te maramaruma oi a i te tere rā, e nawhai tātou e ara i pāpū i te e whiwhi. Te piti, e hāt whanhor a e titauhi a tātou e roa, e hā tātou e roa au te mō whiwhi mi kia rāti oru ananai, e i tānei tātou e whiwhi no atu, i roto i te auhoara e tō Europa. Iau pa i te whaoti rā o te rauhi e tātou i te e mau. Ha atu te rā, e mō nō proprau no tā rā, mō nō proprau no. Maruru. Maruru, wā pauta manao. Patarehau, mono te pretitini o te whenua, te au tōru. Aita, maruru pretitini.
L'annexe mentionnée en premier mot du 4 de l'article LP1 de la loi de PIN, numéro 2008-7 du 25 août 2008 modifié, est ainsi modifiée. Premièrement, le taux réduit du droit de douane est modifié ainsi qu'il suit pour les marchandises et ou produits suivants. Alors, dans la première colonne, vous avez la désignation des marchandises et ou produits. Dans la deuxième colonne, numéro de tarif ou de chapitre et ou position tarifaire. Et la troisième colonne, taux réduit du droit de douane. Poisson vivant, 0,3.014%. Thé vert, 0,902.10.00. Et thé vert non fermenté. Théo. Thé vert non fermenté, 0,902.10.00 et 0,902.20.004%. Extrait et jus de viande, de poisson ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, 1,603.00.001%. Produits relevant des numéros de tarifs 28.06 à 28.27 inclus, 28.06 à 28.27 6%. Dichlorure d'éthylène ISO 1,2 dichloréathane de 1,903.15.006%. Médicaments contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits à structure d'acide pénicillanique ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits, 3,003.10.000%. Goudron de bois, huile de goudron de bois, créosote de bois, méthylène, poids végétal, poids de brasserie et préparations similaires à base de colophane, d'acide résinique ou de poids végétal, 3,807.
0,0006%. Qu'est-ce que cette cajou, cylindre et emballage similaire, tambour, touré pour câble, 4415.10.004%. Partie accessoire reconnaissable comme étant exclusivement principalement destinée aux appareils des numéros 85.19 ou 85.21, autres que les lecteurs phonographiques, 8522.90.004%. Condensateur fixe conçu pour les réseaux électriques de 50-60 Hz et capable d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kV, condensateur de puissance 8532.10.004%. Condensateur fixe à diélectrique en céramique ou à une seule couche 8532.23.004%. Électrode des types utilisés pour four 8545.11.004%. Produits autres que les électrodes et les balais en charbon, 8545.90.004%. Isolateurs en verre pour l'électricité, 8546.10.004%. Paquebots, bateaux de croisière et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes, transbordeurs, autres que ceux de plus de 1200 tonnes de jauge brute, 8901.10.90.0%. Bateau citerne, 8901.20.000%. Bateau frigorifique, autre que ceux du numéro 89.01.20 de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8901.30.10.0%. Autre bateau frigorifique, autre que ceux de numéro 89.01.20, 8901.30.90.0%. Autre bateau pour le transport de marchandises et autre bateau conçu à la fois pour le transport de personnes et de marchandises, autre que ceux de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8901.90.90.0%. Bateaux de pêche, navires, usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche. De plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8902.00.10.0%. Bateaux de pêche, navires, usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche, autres que ceux de plus de 100 tonneaux de jauge brute, 8902.00.90.0%. Remorqueurs et bateaux pousseurs, 8904.00.000%. Bateaux dragueurs, 8905.10.000%. Plateformes de forage ou d'exploitation flottante ou submersible, 8905.20.000%. Autres bateaux et bateaux de sauvetage, autres qu'à rames, autres que les navires de guerre, 8906.90.000%. Bateaux et autres engins flottants à dépecer, 8908.00.000%. Deuxièmement, le taux du droit de douane de droit commun est modifié ainsi qu'il suit pour les marchandises et aux produits suivants. Toujours dans la première colonne, désignation des marchandises et aux produits. La deuxième colonne, numéro de tarif ou de chapitre et aux positions tarifaires. Et la troisième colonne, taux du droit de douane de droit commun. Alors, chevrette, macromachium, congelé, même décortiqué, 0,306.19.10.13%. Graisse des animaux, des espèces bovines, ovines ou caprines, autres que celles du numéro 15.03, 15.02, 13%. Produits relevant des numéros de tarif 28.06 à 28.27 inclus, 28.06 à 28.27, 8%. Chanvre, cannabis sativa L, brut ou travaillé, mais non filé, et taupe et déchets de chanvre, y compris les déchets de fil et les effilochés,
53,02%. Véhicules usagés de transport de personnes à moteur à piston alternatif à allumage par étincelle, d'une cylindrée excédant 1000 cm3, mais n'excédant pas 1500 cm3, à deux pans moteurs, 8703,22,29%, 13%. Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments, chapitre 92, 13%. Armes, munitions et leurs parties accessoires, chapitre 93, 15%. Troisièmement, le code du SH 0803.20 est remplacé par le code du SH 0803.90 et la codification 0803.20.00 est remplacée par la codification 0803.90.00. Quatrièmement, la ligne 1605.90.00 autre est supprimée. Cinquièmement, après la ligne 0304.9 autre congelée, il est inséré les deux lignes suivantes ainsi rédigées. 0304.91 Espadon Zifias Gladius, 0304.91.00 13 4, 0304.92 Légine Dizosticius SPP, 0304.92.00 13 4. Sixièmement, après la ligne 0304.95, il est inséré la ligne suivante ainsi rédigée. 0304.99 autre, 0304.99.00 13 4. Septièmement, les notes relatives au chapitre 2, 11, 20, 27, ainsi que celles concernant la section 6, les chapitres 28, 29, 30, 34, 38, la section 7, le chapitre 39, 40, la section 9, le chapitre 44, la section 11, les chapitres 59, 61, 62, la section 12, le chapitre 64, la section 14, le chapitre 71, la section 15, les chapitres 72, 76, 79, la section 16, les chapitres 84, 85, la section 17, le chapitre 86, la section 18 et les chapitres 90 et 95 sont remplacés par les nouvelles notes de chapitre et ou notes de section jointes en annexe. Maruru maitei, kimeru aporar hei. Patrihau mitipeti e yao e te varata te haperu te ita o tō mō patapatara a. Yani nua ia taui, i te ienei api numara toru. Il y a une petite erreur de transcription à la page 3 et au deuxième mot. Les chevrettes. Entre parenthèses, ce n'est pas macro-machium, ça n'existe pas. C'est macro avec un M majuscule, mais brachium. Macro-brachium. Si vous pouviez corriger cette page. C'est une erreur de frappe, ça n'existe pas ce nom latin. Ce nom latin n'existe pas. Par contre, macro-brachium, si, ça existe. Avec un M majuscule. Tous les noms de genre commencent par un M majuscule. Maruru maite. Te vera aneto oto mano ni eite yene irawa numara piti. Haore mano. Te maitira tatou. Hoya maitira. Maruru maite irawa numara toru. Conformément aux dispositions de la décision du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'Association des pays et territoires d'outre-mer, à la Communauté européenne, décision d'association outre-mer, le taux réduit du droit de douane ne peut, en aucun cas, être supérieur au taux de droit commun. Maruru maitei, mano to tatu irira, aure mano, koea maitira, wamana, irava numara maha. Les dispositions de la présente loi du pays entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au journal officiel de la Polynésie et au plus tôt le 1er janvier 2012. A uni faori hie, fafu faori hie, te ieture, no tera e noa tau. Ai te pai di tai o hiria francese. Tera prinsi. Ria, maruru, e tai o wahu tatu i tatato irawa.
Maruru mai tei, i te mea ture whenua, e mai ti tata i tei tato, i me ina wenei, i te genei ture whenua, a pepe brau, te auera. E mai gong hene. Deri alfa mai vi, Sabina Burke hene. Tamara Bob Dupont, mai ne. Mai ri, Rautatia, na Hirshon. Minutia Hirshon, na Tamara. Kokrisov Bissoutan. Rosine Brodien, mai ne, mai ri. Daphne Chavez, mai ri. Valentina Cross, mai ne. Jackie Drouletane. Gaston Flostane, mai ri. Rautatia, na Fritsch Edouard. Fritsch Edouard, na Gaston Floss, Comte. Joël Frébeau, Réné. Édouard Fritsch, Tane. Inar Igalnon, Réné, Maïri. Tatia, Paris. Georges Anderson, Tane. Noutier Hirschon, Réné. Théoura Eritiv, Réné, Maïri. Heifara Izal, Réné, Maïri. Protatia, Yako Moetini, René. Patricia Jennings, Réné. Benoît Côté, Tane. René Kohumoetinitan, Marcelin Lisan, Tane Mairi, Victor Mamato Yahutapu, Mairi Protatia, Ya Tane Thérèse, Sandra Manutelivi Agami Hine. C'est sur ma liste comme ça, ça vient après. Emma Maraya Hine, Mairi, Teina Mare Uratane, Teina. Mariterangi Mairoto Lilian Haine. Leoni Matao Haine. Mairi Protatia. Ya. Oya Mairoto Lilian. Mairon Matao Tane. Juliana Matiu Haine. Carmel Merceron Haine. Marise Olivier Haine. Mairi. Protatia, il y a Tetouani Jennings. Annick Afo, ou pas. Eleanor Parker, Heine. Teikinu Porlietane, Mairi, Protatia, il y a Vernodon Béatrice, Heine. A Teiki. Jean-Marie Srapototane. Monique Richton, Heine. Frédéric Rivetatane. Fernand Romata Arua, Tane. Mairi. Protatia, il y a Mati Juliana. Maïna Sage, Vahine. Philippe Chiltane, Maïri. Françoise Tama, Vahine. Thérèse Tane, Vahine. Roberto Sotane, Maïri. Achang Chunyu Hunhi, Maïri. Hirohiti Tefarere Tane. René Temeharo Tane, Maïri. Protatia, Yariveta Frédéric. Ruben Terematetane. Itateri Paiatane Mairi. Sylvian Teroateo Hene Mairi. Lana Tetuanu Hene. Teura Justine Hene. Gaston Thompson Tane Mairi. Ismaël Touahu Tane Mairi. Protatia Yatama Françoise. Catherine Touihobuyar Hene. Damas Utia Tane, Mairi, Protatia, Ia, Apoto Jean-Marius, na Utia Damas. Béatrice Vernodon, Hine. Et au Clarence Vernodon, Tane, Mairi, Protatia, Ia, Reuratina. Maruru mai tei. Toru ahuru maho e reo te whaari. E ono te whae amuhu ore no. E vau te ipatoi. Maruru, kua mana te ienei ture. Te hare nei tatou, ini ei te tapurahupa numara toru. E te aninei au ia Patricia Jennings, ia tei omai tatatou tapurahanere pe ahuru e mai.
Maruru pritini, pritini no te hau whenua, mono pritini, te mau whātere hau, mau papevea, tātou pāko a Yorana, te pepe. La loi organique numéro 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française a notamment modifié les règles relatives au mode de scrutin applicable aux élections des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Désormais, la Polynésie ne constitue plus qu'une seule circonscription composée de 8 sections et chaque liste est composée de 73 noms, 57 candidats et 16 suppléants, en commençant par la première section et en terminant par la huitième. En métropole, pour les élections régionales où le mode de scrutin est fort proche du nôtre, il est prévu que la règle de la parité s'applique, non pas au niveau de la circonscription, mais à l'échelle de la section. Or, en ce qui concerne la Polynésie française, le législateur organique a oublié de modifier l'article 106, alinéa 1er de notre loi statutaire, qui précise que c'est au niveau de la liste, donc de la circonscription entière, que la parité s'applique. Dans ce cas, si l'on commence la liste, section 1, par un homme, c'est encore un homme qui est en tête de liste pour les sections 3, 6 et 8, et c'est une femme qui est en tête de liste dans les sections 2, 4, 5 et 7. Inversement, si la tête de liste est une femme dans la section 1, c'est aussi une femme qui est tête de liste dans les sections 3, 6 et 8, et un homme dans les sections 2, 4, 5 et 7. Il se pourrait d'ailleurs que dans certaines sections, et notamment dans les quatre dernières où trois représentants sont élus, une liste soit constituée ainsi, une femme, un homme, une femme, et qu'une autre liste soit composée inversement, un homme, une femme, un homme. Tout dépend si la tête de la liste de la première section est un homme ou une femme. L'analyse des travaux parlementaires et des rapports de M. le sénateur Quintin et de M. le député Bignon révèle que manifestement, cet aspect de la réforme n'a pas été perçu par les élus de la nation. Compte tenu des répercussions importantes que la modification du mode de scrutin a entraîné sur la constitution des listes, le silence des parlementaires démontre qu'ils n'ont pas souhaité ce bouleversement. En effet, si tel avait été leur souhait, ils n'auraient pas manqué de préciser qu'ils écartaient expressément la règle applicable aux élections régionales et que leur objectif était d'instaurer une discipline à l'échelle de toute la Polynésie. Un tel recul de l'autonomie des archipels dans la constitution des listes électorales méritait d'être exposé et débattu dans les enceintes parlementaires. Or, il n'en a rien été. Il est clair que si l'application de la règle actuelle pose moins de difficultés dans les trois sections des îles du Vent, du fait qu'elles sont composées de 13 candidats pour les deux premières et 11 candidats pour la troisième, la même conclusion ne peut s'appliquer pour les quatre sections représentant les archipels autres que celui de la société qui n'élisent que trois représentants. En effet, dans cette dernière hypothèse, ces sections se voient imposer un homme ou une femme comme tête de liste et sont ainsi privées du choix des candidats qui sont les plus représentatifs au sein de leur archipel, car ce choix peut ne pas correspondre à ce qu'il y ait sur une liste deux hommes et une femme ou deux femmes et un homme. Ce choix doit être déterminé au niveau des sections et non de la Polynésie, et il ne doit pas dépendre du hasard qui fait que la tête de liste de la première section est un homme ou une femme. Comme pour les élections régionales métropolitaines, il est souhaitable que l'alinéa 1er de l'article 106 de la loi statutaire qui dispose que chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe soit remplacée par la phrase suivante « Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. » Il est donc demandé à Madame le ministre de l'Outre-mer, au travers de la présente proposition de résolution, de bien vouloir préparer un projet de loi organique visant à modifier l'article 106, alinéa 1er du statut, et à le faire adopter avant que n'aient lieu les opérations électorales de 2013 relatives au renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française. Au regard de tous ces éléments, en tant que rapporteur, je propose donc à mes collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des institutions et des relations internationales, d'adopter la proposition de résolution 6 juin. Maruru maite, iaite whanhor atumou preti tēnei pupu, wa operehia hoi ahuru miniti nani eiti pupu tātaitei, tēni nei au te aitatanei pupu, e mana oanei no te whahiti tētei me, Sondra te auera.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, j'avoue que je n'ai pas participé à la commission des institutions, puisque j'ai vu qu'elle s'est réunie très rapidement dernièrement, la veille de Noël. Et j'ai lu, par contre, le compte-rendu. Donc, il s'agit bien, dans la proposition qui nous est faite, d'une pure opportunité, c'est-à-dire que c'est une orientation politique qu'on veut donner, tout simplement, par rapport à ce qui est proposé au niveau des élections à venir. Moi, j'aurais tendance à dire que... Alors, j'ai lu la présentation qui est faite. Quand on dit que le premier de liste, si le premier de liste est un homme, ça va poser des problèmes sur certaines sections où il y aura automatiquement des femmes, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, que ces sections proposent une femme à la tête de la présidence du gouvernement. Et à ce moment-là, ils n'auront pas de problème à se positionner en tant qu'homme tête de liste de leur section. Donc, vous savez, quand il y a un problème, on peut le prendre dans tous les sens. Donc, ce que vous indiquez dans votre rapport, je trouve que ce n'est pas très impartial, c'est plutôt même très partial et très machiste. Et je ne peux pas être favorable à ce qui est proposé. Ce qui se passe actuellement par rapport à cette parité, c'est bien la conséquence de la circonscription unique. Or, c'est vous qui aviez voulu la circonscription unique. Nous, on y a été opposés. Aujourd'hui, on se retrouve avec ce problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on voulait une liste unique avec les 57 noms à la suite. Comme ça, on aurait fait notre recette à partir de ça. Les sections, ce qui est intéressant, c'est que ça garantit la représentation des représentants de l'ensemble des archipels. Donc ça, c'est une garantie pour l'ensemble des archipels. Et je pense qu'il faut saluer cette proposition qui avait été faite dans la loi organique. Maintenant, sur la modification et la résolution que vous proposez, moi, j'y suis opposée. Je pense qu'il y a un fonctionnement qui est là. Tous les jours, on le voit, là, pour Noël, vous avez certainement été sollicité par les gens, dans les quartiers, par les associations, pour aider parce qu'il y a des familles en difficulté. Moi, je trouve que c'est vraiment inopportun de nous proposer ça aujourd'hui. Ça donne l'impression que les élus ne pensent qu'à une chose, c'est à leur réélection. Ils ne sont pas sur le pont pour travailler. Donc, moi, je préférerais qu'on nous convoque pour des sujets vraiment importants, des mesures concrètes à mettre en place. Mais être convoqué la veille du nouvel an pour faire passer ça, je suis désolée, mais je trouve que ce n'est pas très sérieux. Voilà ce que j'ai à dire, je vous le dis, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je dis les choses en face. Et allons jusqu'au bout de cette démarche. Vous avez vu qu'en 2000, je me rappelle que Béatrice Bernaudon a beaucoup œuvré dans ce sens, la parité à l'Assemblée de la Polynésie française, ça avait fait lever des boucliers. Le président de l'époque, Gaston Flosse, avait tout fait pour que la parité se fasse au niveau de la Polynésie, au niveau de la représentation à l'Assemblée. Je pense que grâce à ça, eh bien, il y a des femmes qui ont pu siéger, et notamment des femmes des archipels qui sont là présentes aujourd'hui, grâce à cette loi qui, à l'époque, vis-à-vis des conservateurs, apparaissait comme quelque chose d'inacceptable. Aujourd'hui, on voit que l'Assemblée a été bonifiée grâce à cette loi. Je pense que les archipels pourraient gagner à avoir des femmes tête de liste à la tête des sections qui vont se présenter. Voilà. Et pourquoi pas une présidente à la tête de ce pays. Comme ça, il n'y aura pas de souci dans les archipels et les sections, en tout cas, qui sont concernées par la représentation de femmes. À ce moment-là, messieurs, je vous conseille de proposer une femme à la tête du pays. Vous serez tête de liste à la tête de vos sections. Maruru. Maruru maite, te anineo i te ti au te mana o te momutu, maritarangi Lilian te auera. Maruru priteni. Bonjour à tous. C'est en page 18 de son rapport que M. Barthélémy indiquait le réel objectif assigné à sa mission. Il s'est en effet toujours agi de favoriser, je cite, la structuration de petits territoriaux dépend de petits partis présents dans un seul archipel, lesquels, dit-il, sont souvent à l'origine des jeux de bascule majoritaires. Quelle condescendance et surtout quel manque de connaissance de notre histoire politique. Laissez-moi, chers collègues, vous lire le passage d'une étude qui disait ceci de notre pays. Les élections municipales, territoriales ou législatives sont autant d'occasions de former des coalitions appelées à se défaire.
La démocratie semble ignorée au profit d'un jeu de massacre à la tahitienne où la déchéance de l'adversaire a plus d'importance que la prise en considération de l'intérêt général. L'instabilité chronique et la fragilité économique s'accordent mal avec des institutions que les élus réclamaient. À la suite des dernières élections, la rupture de la coalition a conduit à un blocage des institutions. Cette même année, une grave crise politico-judiciaire mettant en cause les responsables politiques a démontré la nécessité pour le territoire de renouveler un personnel qui a conduit la Polynésie à être malade de la politique. D'autant plus qu'un malaise social croissant et qu'une crise financière menace le territoire. Ces quelques lignes ont été rédigées au début des années 90. Visiblement, l'histoire bégaye et pourtant, la plupart d'entre nous n'étaient pas là à cette époque. Ainsi, contrairement aux idées trop fréquemment répandues, les élus des archipels ne sont pas plus responsables que tout autre de l'instabilité politique que nous avons connue. D'ailleurs, d'une certaine manière, avant d'évoquer une instabilité politique, il conviendrait de parler de notre instabilité institutionnelle. Notre statut, au lieu d'être un socle solide et constant, n'a cessé d'être un enjeu électoral marqué par la surenchère. Comment voulez-vous que la maison soit solide quand on ne cesse d'en changer les fondations? Je le dis clairement, cette nouvelle réforme de Mme Ponchard tend véritablement à annihiler toute représentation légitime des archipels éloignés. Illégitime, elle risque de l'être d'abord parce qu'elle dilue les voix des électeurs des archipels. En effet, un groupe de 3 élus pourrait l'emporter dans un archipel et malgré tout être totalement écarté de la course parce qu'ils n'auront pas été affiliés à un parti et ont obtenu plus de 12,5% au niveau territorial. On peut se demander quelle légitimité ces élus auraient alors dans ces îles. Illégitime ensuite car il n'y aura plus de tête de liste dans les archipels. Il n'y en a plus qu'une sur l'ensemble du pays. Il n'y aura donc plus de chef de file pour défendre la position des archipels qui en ont pourtant structurellement besoin. Alors qu'elle est très centralisée, la Polynésie le sera davantage. Certes, il y a les communes, mais les voix des Tavana des îles éloignées sont à l'image de notre territoire très dispersé. Elles ont besoin de converger vers des représentants en qui ils se reconnaissent. Et là, on a un risque que ce ne soit plus le cas. Illégitime enfin, car le sexe du premier de liste dans un archipel ne serait en l'état actuel des choses plus décidé par les élus des archipels et donc par la population des îles concernées, mais en fonction du sexe du premier de liste de l'ensemble du pays. Cette situation n'est pas normale. Le mode de scrutin qui vient d'être mis en place s'inspire de celui des régions métropolitaines. Or, ce dernier avait été mis en place pour contrer l'instabilité qui y régnait tout en préservant la liberté pour les sections départementales de choisir elles-mêmes l'ordonnancement de leurs candidats. J'assimile cela à un déni de démocratie. Le gouvernement de la République se fiche de ce qu'il considère être la plus petite France du bout du monde. Il serait au contraire bien avisé de se souvenir que la France a largement assis sa grandeur économique et géostratégique sur son époque coloniale et que le soleil ne s'y couche jamais grâce à ses territoires qui lui restent attachés. J'espère qu'il saura entendre le vote que j'espère unanime de cette résolution. Maruru. Maruru maitei, mero apurar hei te anine eo te tiao, yaura te whenua. Pahiti mei tona mano, Armel Mersuro. Merci, Monsieur le Président. Depuis quelques semaines, la rumeur courait. La loi des chiffres et de l'alternance stricte, un homme, une femme, ou une femme, un homme, sur des listes de candidatures aux élections à l'Assemblée, créait un grand trouble chez certains. La rumeur était fondée puisque nous avons à nous prononcer aujourd'hui sur une proposition de résolution tendant à modifier les règles pour réparer ce qui semble passer pour une aberration. Parions que ce ne sont pas des femmes qui se sont émues ou alarmées des conséquences des règles statutaires. Ce n'est pas dans leur nature ni dans leur mentalité. Armel, éloignez votre Vini, il fait des interférences sur votre micro. Merci. Je peux recommencer?
Parions que ce ne sont pas des femmes qui se sont émues ou alarmées des conséquences des règles statutaires. Ce n'est pas dans leur nature ni dans leur mentalité. Et puis, ont-elles des positions menacées à défendre ? Dans l'affaire et sans changement des règles, des femmes seraient alors tête de liste dans 4 sections sur 8. Que l'on commence par un homme ou par une femme dans la première section. Ce serait donc la section 1 qui donnerait le « là » à la formation des listes. On a beau tourner le problème dans tous les sens, il y aurait toujours obligation de mettre 4 femmes en tête, du jamais vu. Conduisant à une remise en question des positions masculines dans 50% des ex-circonscriptions devenues sections. Donnant de nouvelles opportunités à des femmes, à condition évidemment qu'elles ne soient pas des femmes potiches, mais véritablement et personnellement engagées. Déjà que la loi de 2000 avait imposé l'irruption des femmes dans les assemblées territoriales et communales aux grandes dames de certains hommes. Là, il faudrait en plus que des femmes soient obligatoirement tête de liste. Nom d'un macho, ce n'est pas acceptable. Certains se rappellent des réactions d'incompréhension d'hommes bousculés dans leur suprématie. Et je ne résiste pas à la tentation de lire 2 témoignages. Un soir, à la réunion, il s'est mis à pleurer. Je refuse d'être derrière ma chaîne. On a fermé les portes comme les journalistes étaient là parce que le mec, il hurlait. Il criait parce qu'il ne supportait pas d'être derrière une femme. Donc, cette femme a dit, écoute-moi, il n'y a pas de problème, je te laisse ma place. Mais on ne pouvait pas, ça faisait un homme, un homme. Une autre a dit, il m'a répondu en me disant, mais tu sais, la politique, c'est servir son prochain. Cette phrase m'a interpellée et je me suis dit, après tout, si je peux apporter ma pierre, pourquoi pas ? Je n'invente pas, hein, ce sont des témoignages réels. Disons-le tout net, la féminisation des institutions s'est faite au forceps. Sans la loi, il n'y aurait jamais eu ce progrès. Il est vrai que l'on vient de loin, et je saisis l'opportunité de l'examen de cette proposition pour faire le point sur la parité polynésienne. Les femmes représentent 48% de la population. Or, à l'APF, il n'y aura aucune femme jusqu'en 1961. 2 de 61 à 67. De 67 à 72, il n'y a plus aucune femme élue à l'Assemblée. La loi de 2000 sur la parité, qui s'est appliquée en 2001, représente un bouleversement majeur du visage de la représentation féminine à l'Assemblée. Juste avant la loi, il y avait 5 femmes à l'APF. En 2028, 27 femmes sont élues sur 57. En 2008, 27 femmes sont élues sur 57, soit 47,5%. Aujourd'hui, nous sommes 30, c'est bien, 53%. Mais pourquoi ? Parce que plus d'hommes sont montés au gouvernement. Car il n'y a qu'une femme, Monsieur le Président, au gouvernement, 1 sur 12. Il faut dire que la parité n'est pas obligatoire au Conseil chez les ministres. Il y a aujourd'hui 394 conseillères municipales pour 625 conseillers hommes, soit 47% des conseillers qui sont des femmes dans les communes de plus de 3500 habitants, où la parité stricte est obligatoire, alors qu'elle ne représente que 30 à 36% dans les petites communes, parce que la loi sur la parité ne s'applique pas lorsqu'il y a moins de 3500 habitants. Et il n'y a que 10 femmes maires sur 48. Mais pourquoi ? Parce que la parité n'est pas obligatoire chez les maires. Une seule femme a été présidente de l'Assemblée et il n'y a jamais eu jusqu'ici de femme présidente du gouvernement, ni même de vice-présidente. Une femme a été députée, aucune femme n'a été sénatrice. Pourquoi ? Point d'interrogation. Alors, je vous propose quelques questions pertinentes, juste pour interpeller et pour méditer jusqu'aux prochaines élections. Pourquoi les femmes ont-elles encore du mal à accéder aux postes à responsabilité ?
Est-ce que c'est parce que les hommes ne leur laissent pas la place? Sont-ils machistes ou misogynes? Craignent-ils la concurrence des femmes? Je ne pense pas, évidemment, qu'ils mettent en question nos capacités. Les obligations familiales font-elles obstacle à l'engagement des femmes au service de la cité? Les femmes ressentent-elles une gêne que les hommes n'ont pas à s'exposer publiquement, s'exposer aux critiques, aux rumeurs, mettre en jeu sa réputation, alors que l'on a été éduqué et formaté pour agir en toute discrétion? Pourquoi les femmes ne se sont-elles pas suffisamment affirmées encore? Il faut dire que les femmes qui entrent en politique ont souvent été sollicitées par des têtes de liste masculines. Les femmes n'envisagent-elles alors l'exercice de leur mandat que dans une relation de fidélité à cette tête de liste? Les élus dotés d'expérience politique ou de compétences institutionnelles s'imposeront-elles plus facilement dans le futur parce qu'elles auront acquis l'expérience et la capacité d'affirmer plus l'autonomie? Gare à vous, messieurs. En effet, les femmes précipitées, je dis bien précipitées en 2001 dans l'action politique, étaient-elles toujours prêtes? N'avaient-elles pas besoin d'une phase d'apprentissage, d'observation, pour comprendre le fonctionnement des institutions, appréhender les dossiers techniques, pour oser prendre la parole, entre guillemets, ou plutôt entre parenthèses, autrement que pour lire des rapports? Ose-t-elle donc prendre la parole dans les discussions et peut-être devenir alors aussi plus calculatrice et stratège comme les hommes? Mais surtout, ce qui me paraît le plus important, qu'apportent les femmes de plus ou de différent en politique? N'y a-t-il pas une différence entre les hommes et les femmes dans la manière d'aborder les choses? En fait, il y a une complémentarité, selon moi, comme dans la nature et comme dans la vie. Complémentarité, compétence, prise d'assurance et efficacité, de quoi convaincre les irréductibles, s'il en reste, parmi les hommes, bien sûr, que les femmes devraient avoir, à côté des hommes, toute leur place. Mes chers amis, de l'intérieur, comme de l'extérieur de l'Assemblée, puisque Internet nous permet de parler aussi à l'extérieur, maintenant que la loi nous a ouvert la voie, maintenant que nous avons acquis l'expérience, que nous avons les compétences, ayons l'assurance de nous imposer sur le fond et sur la forme pour conquérir, au-delà des obligations légales, notre légitimité. Nous aurons gagné nos places quand plus aucune femme ne figurera sur une liste parce qu'elle est la femme de, la fille de, et qu'elle remplace l'époux ou le père empêché. Mesdames, nous aurons gagné lorsque, sans l'intervention de la loi, des femmes seront librement choisies, parmi les femmes et les hommes comme tête de liste, dans les sections de Créteil, comme aux îles du Vent, aux Marquises, aux Australes ou aux Tuamotu, parce qu'elles le valent bien. Pour finir, je citerai un témoignage de femme. Là encore, heureusement que la parité a pu se mettre en place, parce que cela aurait été triste de voir que la moitié de l'humanité n'allait pas être représentée dans une institution comme l'Assemblée de notre pays. Ainsi, on pourrait être tenté de laisser le texte de la loi organique en l'état. Ce serait finalement un petit coup de pouce supplémentaire en notre faveur, en assurant au genre féminin 4 têtes de liste. Mais à bien y réfléchir, il est essentiel que l'esprit de démocratie, de liberté et d'autonomie qui doit présider la constitution des listes existe. C'est pourquoi nous voterons favorablement pour la proposition de résolution, car elle n'est pas un recul pour les femmes. Merci. Faites-moi ton nom.
après ce plaidoyer pour la cause féminine, nous ne sommes pas gênés au Tahoeira Huiratira, puisque aux dernières élections, nous avions deux femmes têtes de liste. Et monsieur le Président, après la correction des erreurs du gouvernement local, ce projet de résolution nous propose maintenant, en tous les cas nous sollicite pour la réparation d'une erreur commise au niveau du Parlement lors de la modification de la loi électorale par la loi dite Ponchard et qui a été votée par le sénateur UPLD Richard Touré-Yava et rejetée par le sénateur Tahoeira Huiratira, M. Floss. Parce que quand même, il faut rappeler que cette loi, en l'état, et malgré les réunions que nous avons tenues, j'ai comme témoin ici le vice-président, puisque nous avons tenu plusieurs réunions pour discuter de ce statut, ceci n'a pas empêché votre sénateur de soutenir la loi Ponchard. Bon, je ne parle pas du député Bruno Sandras, on connaît les relations qu'il a avec l'UMP. Mais il est vrai que les dispositions de cette loi imposant une parité stricte au niveau de la seule circonscription apparaissent aberrantes puisqu'elle impose de fait l'ordonnancement des listes dans chacune des sections dès lors que le sexe de la tête de liste de la première section est déterminé, lorsqu'elle est déterminée, naturellement, bien sûr. On n'a pas parlé du troisième cas, on a parlé de l'homme, la femme, hein. Certains ont vu dans cette disposition, et nous l'avons lu dans la presse mardi, une volonté d'élimination de certains élus des îles, ce qui aurait d'ailleurs pour conséquence de les précipiter dans les bras du Tavini Huiratira. Je comprends mieux maintenant, lorsqu'on en parle de circonscription unique, quel était l'objectif du Tavini Huiratira en se battant et en proposant qu'il y ait une circonscription unique. Le raisonnement est assez simpliste. D'autant que ces mêmes personnes portent une bonne part de responsabilité, comme on l'a dit, dans la nécessité de modifier la loi électorale pour aboutir à plus de stabilité. Et il n'est pas sûr que ce nouveau revirement politique vienne leur assurer leur siège. Mais si cet ordonnancement électoral peut en effet conduire à l'élimination de fait de certaines personnalités politiques, il porte surtout atteinte à la détermination des formations politiques à choisir la personne la plus représentative pour conduire la liste dans chacune des sections. En ce sens, nous sommes bien sûr favorables à cette résolution afin que la loi soit modifiée pour s'aligner sur le mode de construction des listes pour les élections régionales, c'est-à-dire en instaurant la parité, non au niveau de la circonscription, mais bien au niveau de chacune des sections. Ceci étant, il convient également de se pencher sur un problème de méthode. Car là, nous avons un doute à ce niveau. Si les journalistes n'ont été sensibilisés sur le problème qu'à partir du dépôt de cette proposition de résolution, il n'en va pas de même pour le président du gouvernement qui, au même titre que les responsables politiques du pays, était déjà au courant des effets de la nouvelle loi électorale depuis plus de 2 mois. Nous le savions déjà depuis longtemps. Nous et vous. Bien qu'il s'agisse d'une proposition de résolution, nous savons tous qu'elle a été inspirée par l'exécutif. Permettez-moi donc d'interroger ce même exécutif pour savoir s'il a entrepris des démarches directes auprès de la ministre de l'Outre-mer ou de son représentant en Polynésie, ou bien encore auprès de nos parlementaires. A-t-il tout autant, question, entrepris des démarches auprès des rapporteurs Bignon et Cointat pour connaître leur position sur le rejet? Et enfin, question la plus importante, comment et pourquoi votre sénateur Richard Touré-Yava a pu voter pour une telle loi quand on sait qu'il est proche du président Temaru, très très proche même? Comme en toute chose, il apparaît que le dialogue direct en bonne intelligence est beaucoup plus productif pour atteindre ses objectifs. J'ai lu également dans la presse que le représentant Benoît Côté avait bien envisagé d'évoquer ce problème avec la ministre Ponchard, qui devait donc se déplacer sur Nukuhiva, mais qui n'a pas pu le faire en raison de l'annulation de son déplacement. Il nous semble à tout le moins
et si ce n'est pas déjà fait, que ce dialogue direct doive s'instaurer rapidement. La seule résolution que nous allons adopter dans l'urgence n'étant sans doute pas suffisante pour déterminer le gouvernement à engager une procédure de révision de la loi électorale. Il nous faudra en effet convaincre le gouvernement central de préparer cette loi modificative. Il faut bien dire que le contexte électoral national n'est guère propice à une modification rapide. Le gouvernement s'apprêtant à entrer en campagne pour l'élection présidentielle, tandis que les députés s'apprêtent également à clôturer la législature pour cause de renouvellement de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas vous décourager, mais néanmoins la réalité, elle est là. En ce sens, des démarches devraient être également engagées auprès des groupes politiques des deux chambres au Parlement, afin de les sensibiliser sur cette question, si nous souhaitons naturellement que la loi soit votée avant le renouvellement de notre Assemblée. Et si l'on sait que la modification d'une loi électorale doit essentiellement se faire au moins un an avant l'échéance, voyez le temps qui nous reste. Encore une fois, le groupe Tahoela donc est favorable à cette résolution et nous ne doutons pas qu'à son niveau, le sénateur Gaston Floss mette tout en œuvre à Paris pour convaincre les autorités politiques de la nécessité de répondre à la demande de notre Assemblée. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous pouvons dire sur cette résolution, ce projet. Merci. Maru Pritini, Jurana Totato Farida, Pritini Totato Finu, Mufatriha Munu Pritini, Tato Boro, Joran. Pritini, Naruro Proitatu Kaitoara, Aitoara, Kaito, Aiteranini, Temehupu Yati Natatu. Ani nene eti awi ni te pare bro kaito ara natatu imi natatu ifari e pabu mete ya tatu boru mai ti tatu e ananhai e amamha tatu ni te proto fan hor ai ti tetu de pabu mete no tera te ito tatu fini tru e bro ye ina ro e bro tatu e kaito ara ti vahine madam ponsa re athira. I don't need to hear Hereditue, to hear Tehio Hanavove, to hear Rimotara, Churu Totato Raiho, Irutuani, Nanare Fauti, Nane Fautie, Io Vini, Io Etani. Tipepera, me propera, Mutatu. I thought Umon Awe Tapitapira, I thought Monao Tapura Amu Tapitapira, Mitipe Fauti Tatu Vinin, Natatura Fauti. If Fauti Tatu not me, wait it Tatu. Kyuru to tatu nun arti tratu ai atia. Vine na. Na tatu ra ero viti ria fauti da. Ia it pro katara hima da to tatu tu hinu armel. E te tu hini to tatu maritirangi. Ai ta pai te hiat pro te rata ira manhun ero tu ditai nuna. Mi te peu e. Ero tu ditai pia puiri pari. Ma ti te vahine. E fauti e I o e vahine te hare. I o tane ia te hare. Na fait tatu i fan hoito tatu finu. Ai, oma. Ya to in unity para. Ata taro rato e para uma ye io par hinu. Io e pua e puanhiu. Ya to in unity mono. Dero e pro tatu kaito. Na fait tatu e e ho e ni e ni apa ite e tumpra. Ya ho e pa tatu. Ni ite e tumpra. Titi amu tatu ni e pro ai borama itera. Para waiter ya hi of ahui fan pa ahui te auda irotopu te ho frani e o tatu ya hi of ahui pai te mo fa auda e te auda te ho frani e o tatu mi te pe waita anan he e hui mai ata tu uni o te tua papa ahu i te mo tumpra te mo tumpra aitan rotopai ti ora ho hun te mo fenuat o te oni Narato yo e fauti torato prau. Narato e fauti e hate ture e au maite i rato no te fatere maite i torato finu. Io tatu, aita. Rata tatu i te fauti da iti imhana. No tari o e tata idi, te naura pa ite reo tau tae.
Edouard Yarawera, et Harry Tichina, et Farina pour dit à Epiti, pour dit à Rahévaire Ivran. Narido no tatou? A dit n'en hétatou, dit hété, mais gatina dit tatou, in etratum pro. Et hâte touré, et au noté finot tatou. Proto maïti, dit à huya tatou et maïti. Tita huya tato e maiti te me aitu itera te aitu itera miti peu e bene a te vaira ua tere rao e to tato tamana no reiro i hare whaati tō mutu yono ahuru mutu nani e te kau naro o e tita munihini i pansa mau e tere nani e te kau tere nani e te kau Nanti te vero, te wawe ya, huri sa tu rungi te akau. Aitu ite mi te peo e tae. Aite pao ite mi te peo e tapae ono. Hari nihiru, nanti te rawawe nihiru e to e tua. Hari dira, amu ikawe, tamaru tino, bepe ye, rewa waho. Nana ye fauti. Aitat mona oe tura, tira, e tamata atatu. Tapi awak, perhatiin, tetu atira. Semua orang ini etra tumpur, itu etem. Semua orang ini hari tua tato, teramai. Awak tato itu mesti dia pihar mana? Baru rumah itu, perhatiin ni otfenu ati awer. Maruru perhatiin ni maruru vito. Apa boleh tato ya vito? Je ne comprends pas très bien l'acharnement de notre collègue M. Edouard Fritsch sur notre sénateur Richard Touhayawa. Est-ce que c'est de la jalousie ou alors un certain complexe par rapport au travail énorme que fait notre sénateur sur le plan local, régional, international, jusqu'à l'ONU. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, pour la première fois, nous avons un sénateur dans notre pays qui travaille pour notre pays, à tous les niveaux. Madame Armelle Merceron, deux petits mots. Je suis tout à fait votre philosophie sur l'humanité, sur la femme, mais il y a quand même certaines contradictions dans ce que vous dites. Il y a 4 ans de ça, on avait proposé pour la première fois pour la France une femme présidente. Et nous, les hommes, on l'a soutenue. Et vous, les femmes, vous l'avez combattu, vous avez fait élire un homme, Nicolas Sarkozy. Alors, où est votre logique dans tout ça? Non, je ne comprends pas. Si on n'est pas en France, c'est ça. Maruru, Yannine, il y a eu ta fait pro, il y a eu un maïta tato pro, mana. L'Assemblée de la Polynésie française demande aux autorités de l'État que les dispositions de l'article 106, alinéa 1er de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 subvisée soient modifiées. Elle propose que les dispositions en vigueur, chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, soient remplacées par celle-ci. Au sein de chaque section, les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elle demande à Madame le ministre en charge de l'Outre-mer de bien vouloir accepter de préparer un projet de loi organique visant à modifier l'article 106, alinéa 1er, et à le faire adopter avant que n'aient lieu les opérations électorales de 2013 relatives au renouvellement de l'Assemblée de la Polynésie française. La présente résolution sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise accompagnée de son rapport de présentation au haut-commissaire, au président de la Polynésie française et aux parlementaires de la Polynésie française. Maruru maite, te tau aprau nei tato,
priorité aux dames, Sandra Lévy-Agami. Merci, Monsieur le Président, pour votre savoir-vivre et votre galanterie. Moi, je suis assez étonnée des positions qui sont prises, dans le sens où vous trouvez anormal que sur 8 sections, 4 femmes pourront, grâce à cette loi, être tête de liste. Donc, on est vraiment dans l'égalité parfaite homme-femme. Ça, vous trouvez ça anormal, puisque vous nous proposez de modifier cette règle-là. C'est pourtant cette position, enfin rappelez-vous encore une fois avant 2000, la position conservatrice de certains hommes politiques avait consisté à combattre totalement la parité stricte à l'Assemblée de la Polynésie française. Là où je suis encore plus étonnée, c'est quand j'entends le Tarouéra dire ben, finalement on a fait ça d'accord, mais c'était en 2000. Aujourd'hui c'est différent. On revient sur une avancée. On peut vraiment aller encore plus loin et c'est ce qui est proposé. C'est ce qui est actuellement en place. Et aujourd'hui, j'entends le Tarouéra dire non, ben, nous, on va être favorable à cette résolution qui va permettre d'empêcher 4 femmes de siéger à la tête des sections sur 8 sections. Et de donner la possibilité, parce que c'est ça qui va se passer, encore une fois, et on le voit là, la possibilité aux hommes de décider dans leurs archipels qui sera tête de liste et aux appareils de parti de faire en sorte que ce soit encore des hommes. Et vous savez très bien que dans la pratique, c'est ce qui va se passer, et que si la loi sur la parité n'était pas passée en 2000, c'est ce qui se passerait encore à ce jour. Je ne comprends pas non plus, Madame Merceron, j'allais vous applaudir, et à la fin, j'ai été bien déçue de la conclusion, parce que vous nous dites, les femmes, levez-vous, et à la fin, vous nous dites, ben, finalement, soumettons-nous. Je ne peux pas accepter ça. Donc, moi, je dirais que le fond de la question d'aujourd'hui, finalement, c'est, est-ce que ce n'est pas la vraie question ? Les vahinés, est-ce qu'on est des leaders ou est-ce qu'on est des suiveurs en politique? Voilà. Et je pense quand même que la vahinée est aussi armée qu'un tanné pour être en politique. On l'a vu dans notre histoire. Vous nous parlez tout le temps de nos coutumes, de nos traditions, de notre histoire. Rappelons-nous les femmes qui ont dirigé ce pays. Rappelons-nous les guerrières qui se sont levées pour combattre et défendre leur population. Et ces guerrières, elles sont là dans cette assemblée. Moi, je n'accepte pas d'être un suiveur. Je fais partie des femmes leaders en politique, et peut-être à ma petite échelle aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que ces lois qui sont proposées au fur et à mesure pour permettre aux femmes, comme vous le disiez, Madame Merceron, la moitié de l'humanité, de siéger et de représenter cette population que nous aimons tous, eh bien, c'est une avancée pour notre pays et que votre résolution nous ramène encore 25 ans en arrière. Donc, pour ma part, il n'en est pas question. Et j'aurais tendance à vous dire, et à finir là-dessus, aujourd'hui qu'on arrive finalement à la fin d'un système politique qui s'essouffle, un système politique qui a été dirigé par ces messieurs, que nous avons laissé diriger par ces messieurs, parce que nous nous sommes toujours attachés d'abord à nos premières prérogatives qui consistent à nous occuper de nos familles. Nous avons pu, au fur et à mesure, nous organiser, nous former, continuer à être en politique et à continuer à administrer nos foyers, nos familles de façon... correcte et permanente, toujours présente. Prenez, je suis sûre, toutes les femmes qui sont dans cette assemblée, calculez le nombre d'heures qu'elles travaillent par jour. C'est pas juste nos heures à l'assemblée, c'est aussi quand nous rentrons, le repas à préparer, la maisonnée à organiser, les courses à faire, etc., etc. Je vous raconte même pas le nombre d'heures qu'on passe avant que les enfants se lèvent et après qu'ils soient couchés. Donc, aujourd'hui, vous nous dites, bah oui, vous les femmes, c'est bien, vous siégez, il y a la parité, ok, mais attention, on ne veut pas que vous puissiez, par une loi, on ne veut pas être obligé de vous mettre tête de liste. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement? Et je finirai, Monsieur le Président, je vous remercie vraiment de m'avoir laissé le temps de m'exprimer. Messieurs, de quoi avez-vous peur? Maruru, Edouard Fritsch. Président, j'ai une question à vous poser. Quel est le féminin de machiste? C'est fasciste? Il ne faut pas que cette discussion devienne une guerre entre les hommes et les femmes. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est d'affirmer une certaine volonté politique de voir les femmes accéder à la politique et nous accompagner. Je crois que ça a toujours été dans l'esprit des uns et des autres. Non, qu'on vienne ici dire que c'est la femme qui fait la cuisine, moi je fais les biberons aussi, moi. Oh. Je change les couches.
c'est fini ce temps-là où il y a avec la femme, la femme. Et les hommes alors? Et puis, c'est nous qui nous occupons de nos femmes. Ah. Président, non, ce genre d'aléa qui nous arrive aujourd'hui, de dire au président Temaru, j'ai participé à la campagne pour que Richard Touheyawa soit sénateur. Je n'ai pas de jalousie quelconque pour M. Richard Touheyawa. Au contraire, je trouve qu'il fait bien son travail, qu'il est omniprésent, mais il faut reconnaître qu'il fait des conneries. Mais il faut reconnaître, Monsieur le Président, il faut reconnaître. La loi Panchard, je n'ai jamais compris pourquoi il a voté pour cette loi Panchard. Je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, vous n'étiez pas là peut-être, mais avant que cette loi Panchard n'arrive ici en débat à l'Assemblée, durant plusieurs jours, plusieurs semaines même, nous avons travaillé tous. L'UPLD, Yaourat Fenoua, Totato Aya, nous avons essayé ensemble de mettre nos critiques ensemble et d'essayer de trouver une voie commune. Et lorsqu'il faut arranger quatre bonhommes, deux députés et deux sénateurs, il y en a deux qui votent ailleurs et puis deux autres ailleurs. Comment voulez-vous que l'on s'en sorte, Monsieur le Président? Même le jour où nous demanderons l'indépendance, il faudra peut-être que nos élus se mettent d'accord avant. Si vous laissez faire votre élu, parce que c'est votre élu, c'est votre élu. C'est, au Sénat, c'est lui, il a voté pour la loi Panchard, alors qu'il savait que cette loi Panchard n'était pas adaptée du tout à notre situation. Il savait que la loi Panchard venait nous prendre des compétences, venait réglementer des choses auxquelles il n'y avait rien à voir. Pourquoi a-t-il voté pour? C'est là où j'ai envie de critiquer votre sénateur. Mais ce n'est pas de la jalousie, au contraire. Aujourd'hui, je pense que si vous voulez réellement aboutir à cet aménagement, et je pense aux Iliens, si vous voulez aboutir à cet aménagement, notre résolution risque de retarder les choses, alors que des propositions de loi venant du sénateur Richard Touheyawa et de Bruno Sandras, qui ont eux deux voté pour la loi Panchard, je pense que ces propositions de loi accéléreront le mouvement, parce que sinon, notre résolution, elle ne sera jamais votée avant le renouvellement de l'Assemblée en 2013. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, s'il faut rattraper les choses, ce sera à nos parlementaires de le faire. Point. Voilà. Mais ce n'est pas une question de jalousie, au contraire. Vous savez très bien quels sont nos liens avec votre sénateur. Jean-Christophe Bouissou. Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas intervenir, mais j'ai entendu certaines déclarations qui m'obligent à sortir de ma coquille. Bien entendu, ce n'est pas par le vote favorable à cette résolution que nous faisons une démonstration, une certaine forme de machisme à l'égard de la femme. Bien au contraire, c'est aussi reconnaître que le choix démocratique qui doit être réalisé dans la constitution des listes à l'intérieur des sections doit se faire sur la compétence et non pas sur le sexe. Ce n'est pas parce qu'on est de sexe féminin que l'on peut présider une liste dans une section, dans un archipel. Enfin, vous avez bien compris que la liste mathématique qui est proposée et qui a été votée par le Parlement, en soi, pose un problème fondamental d'un choix de sexe, alors que ça doit être un choix de compétences. Et bien évidemment, vous avez bien compris que les groupes politiques pourront proposer de mettre à la tête des sections et des listes des femmes. Tout naturellement. Il peut y en avoir sur 8, 5, alors que la loi obligerait à une stricte parité que nous refusons, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout cela repose sur une énumération mathématique. Alors, n'allons pas dire des choses qui sont fausses, voilà. Et je ne l'admets pas. Et je n'admets pas qu'on me juge sur le vote que je vais faire aujourd'hui. Merci. Oui, dans le même sens, très rapidement, je pense que
Le féminisme aigu est aussi condamnable que le machisme. Et il faut absolument que les choix se fassent d'abord pour des questions de compétences. Hein, la parité ne doit pas s'instaurer et se pratiquer à l'excès au détriment des meilleurs choix, de leaders dans chaque section. Je terminerai juste effectivement par rappeler que de toute façon, au-delà de la tête de liste, la parité s'applique et que ça marche dans les deux sens. Parce que là où on peut avoir une très bonne femme qui pourrait être leader d'une section, un très bon candidat, une très bonne candidate, qui pourrait être empêchée aussi par cette loi. Donc il ne faut pas voir ça uniquement dans un sens. Cela protège à la fois les meilleurs candidats hommes et les meilleurs candidats femmes pour qu'ils puissent se présenter librement, quelle que soit la section. Donc je ne voudrais pas qu'on interprète mal la position de notre groupe. C'est une position, nous sommes unis et soudés sur ce sujet. C'est vrai qu'on pourrait avoir la réflexion facile de dire « Ah ben c'est bien, il y aura 4 leaders hommes et 4 leaders femmes », mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin que ça et voir au-delà de cette première ligne les conséquences qu'il peut y avoir aussi pour des femmes demain. Merci. Bon, je vous remercie mes collègues qui ont dit ce que je souhaitais, mais je voudrais simplement dire à Sandra que justement de figer les choses de cette façon pourrait elle aussi lui porter tort si par hasard, dans la section où elle a l'intention de se présenter, eh bien, il y aurait nécessairement un homme. Donc il faut au contraire laisser la liberté de constituer les listes. Et vous avez bien vu que mon intervention s'adressait plus aux femmes qu'aux hommes, mais aux hommes aussi, parce que ce que je voulais dire aux femmes, c'est affirmez-vous et démontrez tout simplement que vous êtes aussi bonnes, sinon meilleures que les hommes. Point. Maruru Hirote Farere. Maruru Breteni. Temea nenheru toite ie maruru aprutatatu. Notu te rau au te mo mono ato, o ho e to tatou mo mono, in e ke ie herata i a mono o mana naruto i tatou. E rea nei? I aru au e notu te rau a e te nenhe o te mo mono ato, te ha maruru ta e i te uta e a Jean-Christophe. Te parau te parau tano e titou hi e parau. E ere no te huru o te tata, tāne e vhine, maiti e te nunga. No te tiaturi rā, e te arohihi rā o te e tata e horo. Parauane no te au rā, te here rā, te arohihi rā, te ite rā. Te ria te parau fōwha e te tauhia, tātou pa ātoa, e whari, e whaituto i rutu i tātou mō, hār ātō. Unei ane i rutu i te e a porarhe i rapae ane i rtui te mau tamutua ro. Nga roto wau e ha maruru ta ai to uta e pa au e o vito te parau rai te raparo hi aro oi e parau kia tātou pa ato e keito. E ha te tumu, no te mea o tātou, te tumu o te iefifi, tātou pa ato. O imihia te mau rau e ato. A whaia tātou e nen he hei, e whari e e parau i te e hau wharani, e shona nā mātou e whātere a mātou i o mātou, no mātou. Nō te mea, i roto i te whanhora o te ture, tātou wana e me tā e. E te whari ne tātou, kera whanhora, kia rātou i whahepo, i whaue. E tera te mea tā au e pepe anei. Tau te aturi rā anan hei. E tia mai te tei mo tia no te parau i te whenua whanani warawai. E tua ti te parau i unei e te parau parau i te whenua whanani. E te hupa e rovehi ere, unei e te hupa e rovehi ere te whenua whanani. Ti o. E i o tātou e whaitoutou e i te haa amui.
Maruru mai te, Iorana.